Hey, j'ai dit que je disparais. J'apparais. Je disparais. J'apparais. Me voilà. Oui, oh, j'ai porté veste. Il y a des bérets là. Il y a des bérets là. Il y a des japapes. Faut porter veste pour parler de ça. Tellement le japap est japap. Tellement le béret est béret. Faut respecter le béret. Je vais pas quelque part, hein. Je suis pas allé quelque part. Je suis à la maison, je porte veste pour parler de cette histoire. Parce que cette amitié entre Ruby comédienne et puis Belle Bijou, j'ai un peu vécu dedans. J'ai un peu vécu dans cette amitié-là. Je connais. Je marchais avec elles. Elles sont venues à Abidjan. Elles ont fait une semaine. J'étais là tous les jours, hein. Ah oui! S'il y a quelqu'un qui doit se prononcer, c'est moi. Les gens qui vont dire que, oui, mais Kevin, c'est pas tes histoires. Pourquoi tu parles dedans? Ruby même, dans sa vidéo, elle a fait sur Belle Bijou. Vidéo, elle dit que je vous dis la vérité. Tu as trouvé le titre de Je vous dis la vérité. Point d'exclamation. La youtubeuse, tu nous dis la vérité. C'est toi la diseuse de la vérité. Tu as la véridique de l'année 2024. Hey, Ruby même dans sa vidéo, voici ce qu'elle a dit. Amy, Dani et Poupi font les problèmes. Elles font leurs problèmes là-bas. Je prends la caméra ici. Je commence même à venir parler. La vidéo est toujours sur les réseaux. Je dis, hey, pourquoi vous faites les problèmes? Pourquoi vous êtes toujours dans la concurrence? Ce n'est pas bien la concurrence. Chacun avance à son rythme. Je commence à... Tu vois, je commence un peu à... Comment on appelle ça? J'ai parlé de ça ici sur les réseaux. Je commence... Vous-même, vous voyez que elle-même parle dans la fête des gens, non? Quand ses camarades ou bien ses connaissances ou bien les gens même qu'elle ne connaît pas, les stars là, elles ont des problèmes. Ruby vient faire vidéo pour mettre sa bouche dedans. Donc moi le qui pour ne pas faire aussi. Ou bien elle l'a qui pour pas que je parle d'elle. Je vais parler pignon. Je parle pignon pignon. Quand je parle pas jeunesse, pourquoi? L'affaire qui est doux comme ça là. Béret qui est en train de prendre Facebook depuis combien de jours? Je vois, je dépasse. Pourquoi? C'est comme si quelqu'un a fait une image. Mangue, qui tue manguier pour tomber. Et puis il dit, il mange pas la mangue. Il prend la mangue pour lancer derrière la clôture. Pourquoi? Tu as fait mangue tombe. Tu prends pour lancer derrière la clôture. Non. Ça vient sur moi, je prends. Je soulève le béret. Je le mets en bouche. Je le malaxe. Je le malaxe. Je malaxe le béret. Je le déglutis. Et après, si je veux, je m'en vais à Boro. Même si le béret me constipe, c'est pas grave. C'est qui est sûr? Je peux pas laisser. Ruby comédienne, alias désormais Ruby la milliardaire. Dans sa tête, Belle Bijou, la milliardaire. Pinterest, scène 1, acte 1. Le réalisateur Kevin Aubin. Clap. Générique. Coucou les chéris, j'espère que vous ça va. Moi ça va bien. Moi je pète la forme, mais ça va. Les chéris, avant de commencer la vidéo, je viens vous parler de TapTapSan, qui est une application de... Oui, oh, ben, reste là, je vais faire mon code promo. La vidéo, là, va faire beaucoup de vues. Qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe ou bien en Occident qui peuvent envoyer en Afrique. Peu importe la somme que vous envoyez, vous payez que 2 euros de frais d'envoi. TapTapSan, c'est rapide. La personne qui est en Afrique reçoit l'argent dans les quelques secondes qui suivent. Mon code promo, c'est chéri12. Tu télécharges l'application TapTapSend. Tu mets juste tes cartes bancaires. Tu mets la somme que tu veux envoyer. Le numéro mobile money de la personne qui est en Afrique. La personne reçoit ça. Ça peut être sur Orange Côte d'Ivoire. Ou bien Move Money. Ou bien, je ne sais pas, MTN Money. En tout cas, mobile money. Surtout Orange Money. Surtout ça, Orange Côte d'Ivoire. Donc, il y a TapTapSend dans beaucoup de pays. Mon code promo passe dans tous les pays. Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, partout, chéri 12. Ça vous donne 5 euros gratuitement si vous êtes en Europe. 10 dollars cadeau si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. Canada, États-Unis, même vous ne payez pas de frais d'envoi. C'est le job. C'est le job pour vous. C'est ça. Donc, utilisez mon code promo chéri 12. Voilà. De toute façon, vous allez utiliser mon code promo là. C'est comme ça que je viens utiliser cette histoire là aussi. Pour faire pour moi. Ruby, passe ici. Toi, tu dis quoi? Ruby, la milliardaire dans la tête. Milliardaire dans sa tête. Toi, tu dis quoi? J'ai regardé ta vidéo. Ta vidéo fait 2h36. J'ai fini de travailler, j'ai fini mon émission. Je suis venu m'asseoir devant ma télé. 75 pouces.
acheté chez Samsung. J'ai regardé. J'ai noté point par point. On va regarder les différentes parties et je vais donner mon avis. Première partie. Ça avait tant by Nadège que je travaille aussi. Tu dis Bel Bijou a dit que vous vous connaissez depuis 2012. Que pendant ta grossesse, Bel Bijou dit, elle t'a nourri. Mais toi, tu travaillais avec Timba et Nadège. On écoute, hein, c'est toi qui as dit. La preuve. Je vais vous zoomer pour que vous voyez le logo de Timba et Nadège. La zoomeuse, c'est toi. Ceux qui voudront, je vais mettre la capture d'écran parce que j'ai envoyé ça. Excusez-moi, on va faire simple. Désolé, hein. Je vais vous faire lire. Désolé, Timba et Nadège, je vais devoir afficher ton numéro. Pourquoi? Tu affiches le numéro de Timba et Nadège, c'est pourquoi? Oui. Tu n'as pas besoin de te fatiguer comme ça pour un béret. C'est pas aujourd'hui que tu es youtubeuse. Nous, les youtubeurs, là, quand on vient faire béret, ou bien quand on vient faire rabaya, ou bien quand on vient parler de quelque chose, tu n'es pas obligé de montrer le numéro de la personne. S'ils ne veulent pas te croire, ils n'ont qu'à te laisser. Les abonnés, ils sont là. Ils prennent béret pour faire intraveineuse. Ils prennent béret pour faire suppositoire. Ils prennent béret pour faire diète. Ils prennent béret même souvent pour faire shampoing. Donc, tu expliques, tu n'es pas obligé de montrer le numéro de quelqu'un. S'ils ne veulent pas te croire, ils n'ont qu'à laisser. Eux, c'est qui? C'est vrai, c'est nos abonnés, on les aime. Mais il ne faut pas qu'on s'oublie pour eux. Hein. Montrer le numéro là, ce n'est pas nécessaire. S'ils ne veulent pas te croire, ils te laissent. Pourquoi tu vas te fatiguer juste quand tu vas montrer le numéro de Nadège Tain? Pourquoi? Parce que tu veux prouver que tu mens pas. Moi, je sais. Et toi aussi, tu sais. Et Bel Bijou sait. Si les abonnés veulent, il ne faut pas qu'ils vont te croire. Ils n'ont qu'à laisser. Il ne faut plus montrer le numéro de quelqu'un encore. Si demain encore, il y a bavardage, il ne faut pas montrer le numéro de quelqu'un. Hein? Toi, tu vas montrer le numéro. Et si Tain Nadège se fâche? C'est sur toi, ça va rester. Les abonnés, là, ils ont fini de regarder la vidéo. Ils seront en train de se coucher. Chacun va aller faire sa vie. Te voici, bavardage au corps de Tain Nadège. Tu n'as pas encore fini le bavardage de l'américaine milliardaire. Hein? Dieu merci, Tain Nadège, bye. On dit Tain by Nadège, voilà. Dieu merci, elle ne s'est pas fâchée. Tain Nadège. Il ne faut plus montrer le numéro. C'est quoi? C'est aujourd'hui, toi, tu fais internet ou bien? Ça, j'ai noté cette petite partie. Ça n'a rien à voir avec le béret, mais ça m'a énervé. C'est quoi? Tu te comportes comme une youtubeuse débutante. Tu es stagiaire de YouTube ou bien? Tu vendrais tu es une stagiaire sur YouTube. Je n'aime pas, hein. Faut plus faire ça. Toi-même, tu sais que tu mens pas. Donc, tu montres le numéro, c'est pourquoi? La partie, là, plus jamais. Prochain. Vivante, vous ne pouvez pas mentir sur moi. Je commence à travailler avec elle. La collaboration se passe très bien. Je l'ai dit ici sur les réseaux sociaux. Elle me payait bien. En tout cas, Bel Bijou paye bien. Ruby a reconnu, Bel Bijou paye bien. Moi-même, j'ai travaillé avec Bel Bijou. J'ai travaillé avec Bel Bijou. Mais elle ne me payait pas comme elle payait Ruby. Apparemment, elle payait Ruby 1 500 euros, bien je ne sais pas combien. Mais moi, pour ce que je devais faire, bon... Pourquoi j'ai fait de me payer jusqu'à... Non, mais notre collaboration n'a pas trop duré même. Notre collaboration n'a pas trop duré, je me rappelle. Bel Bijou est venue à Abidjan. Je vais aussi expliquer un peu pour moi. Elle est venue à Abidjan. Est-ce que oui, Kevin, si tu veux, on va travailler ensemble. Vous la connaissez, non? Elle fait, on dirait, les Olivia Pop. Que si tu veux, on va travailler ensemble avec ces dents blanches-là. On va travailler ensemble parce que moi j'aime bien ton profil et tout. Elle parle un peu en anglais dedans. Yeah, your business, yeah, your profile is good. Vous la connaissez, non? Tu as dit qu'elle est née en Philadelphie. Pourtant, peut-être elle est née quelque part étourdie là-bas au Cameroun et étourdie. Elle fait des choses de... Oui, je dis que... Ah! J'aime l'argent. En plus, à l'époque, c'était en 2021. À l'époque là, je n'avais pas un peu beaucoup comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup, oh, je me débrouille. Mais à l'époque, j'avais un peu, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, je dis pourquoi pas. Je suis allé, je vais expliquer ma part. Je suis parti à Paris, pour ceux qui me suivent sur YouTube. J'ai fait son partenariat comme je pouvais. Je parlais de ses produits comme je pouvais. Je ne parlais pas de ça tous les jours, mais je parlais comme je pouvais. Ah, partenariat, je pense que c'était 600 euros. Elle m'a donné au moins 8 produits.
600 euros, 8 produits, de parler de 8 produits, comment? De parler de quoi pour laisser quoi? J'ai pris. Mais vraiment, je ne parlais pas de tout. Mais je parlais comme je pouvais. Un mois est fini, oh, on m'a payé. Deuxième mois, oh, je n'ai pas reçu l'argent. J'envoie un message à son assistante. Je dis que je n'ai pas reçu l'argent. Elle dit que bon, Kevin, moi-même, l'assistante, je m'en vais. Je ne sais pas si Rudy, c'est Rudy, non. Je m'en vais à Abidjan. Je veux qu'on se croise. Je dis à moi aussi, je serai à Abidjan. Donc, on allait manger. Rudy me dit, mais en fait, tes chiffres ne sont pas bons. Tu n'as pas vendu ce mois. Donc, voilà. Apparemment, tu n'as pas trop parlé de la marque. Je dis, j'ai parlé de ça. Que mon travail, c'est de parler de ça. Mon travail, là, c'est pas d'obliger les gens à payer. C'est un produit toilette intime. J'ai dit aux gens, voici toilette intime. Toiletter. S'ils ne veulent pas, moi-même, des prendre, il faut aller mettre ça dans leur boda. Pourquoi? Bon, ou bien les chouris. J'ai parlé de quelque chose. Si les gens ne veulent pas payer, maman, des prendre, il faut aller dire que, hey, tiens, frotte. Et donne l'argent. Non. Donc, elle dit que bon, en tout cas, d'accord, j'ai compris. On va repartir sur une nouvelle base et tout. Mais je pense que d'ici là, on va te faire le virement. Je dis ok. Je n'ai jamais reçu le virement jusqu'à aujourd'hui. Mais comme je suis peine nécessiteux, comme je ne mange pas dans des potoirs, comme j'ai des abonnés qui regardent mes vidéos, hein? Je n'ai plus envoyé un message pour dire que oh, je n'ai pas reçu le virement. Oh, oh, est-ce que le virement est bloqué sur la tête de Donald Trump? Oh, est-ce que le virement là, Joe Biden a pris pour mettre dans son virement nous? Est-ce que le virement là, Trump a pris pour mettre dans son chapeau Make America Great Again? Comme elle est américaine. Je n'ai pas envoyé un message pour demander quelque chose. Je suis sauf que rester dans mon coin. Déjà même, ça m'a soulagé parce que les produits étaient beaucoup. Ça me fatiguait. Toujours je dois venir m'asseoir pour dire que oh, les produits, oh, nettoyez-vous. Oh, les produits intimes. Oh, quand tu mets ça, ça sent bon. Oh, tu qui as babi. Eh, ça me fatiguait, fatiguait. Donc, comme je n'ai pas reçu l'argent, même, j'ai dit, c'est pas plus mal. Au moins, ça là, même, ça quitte sur moi. Ça, c'était ma petite histoire. Elle-même, bel bijou, elle m'a pas envoyé un message. Pourtant, c'est elle qui m'avait envoyé des notes vocales pour me parler de la collaboration. Maintenant, quand elle a voulu arrêter la collaboration, elle m'a pas envoyé un message pour dire que non, on arrête. Non, voilà, voilà. Rien! Quand on considère quelqu'un, on lui envoie un message pour dire, bon, je pense qu'on va arrêter la collaboration parce que, franchement, les chiffres, j'allais comprendre. Moi, je ne suis pas commercial. Elle n'a pas envoyé un message. Moi aussi, je m'en fous. Je n'ai pas parlé. Ça, c'était ma petite histoire. La vidéo ne fait que commencer. Asseyez-vous. Si vous êtes assis, couchez-vous. Si vous êtes déjà couché, faites comme ça. Prenez vos pieds pour mettre ici. Recroquez. J'ai tapé salto. Recroquez-vous. Faites comme ça pour regarder la vidéo là. Si tu as arrêté, assieds-toi. Si tu as assis, couche-toi. Si tu es couché, fais comme ça. Et regarde. Ça ne fait que commencer. Donc Ruby a dit, ben bijou, lui donnait l'argent bien en termes de partenariat. Ruby a reconnu. Si Ruby était mauvaise, là, elle pouvait venir dire que tu ne me payais pas bien. Mais elle a reconnu que Ben Bijou payait bien. Elle a reconnu. On poursuit. Une réunion avant, elles m'ont appelé. Il y avait Claire. Il y avait Maman Rudy. Désolée, Maman Rudy. Je sais que tu ne veux pas qu'on cite ton nom. Je suis désolée, ma puce. Je suis désolée. Parce que toi, tu es un ange. Tu es vraiment une belle personne. Désolée. Toi, faut pas m'énerver. Hein. Toi, Ruby, là. Faut pas m'énerver. Je vais t'appeler Yvonne. Hein. Faut pas m'énerver, je vais t'appeler par ton vrai prénom. Hein. Yvonne Akono. Faut pas m'énerver. Hein. Désolé de quoi? Tu es encore dans ça là? Désolé, oh, maman Rudy. Toi, tu es une belle personne. Désolé, mes autres. C'est comme ça que tu pensais que Belle Bijou était belle personne, non? C'est Rudy là. On allait s'asseoir pour manger. Elle m'a dit que je vais recevoir le virement. Je n'ai rien reçu. Désolé de quoi? Que maman Rudy. Oh, désolé. Oh. C'est ta maman. C'est ta maman. Tu es encore dans ça? Tu es encore dans ça? Rudy là, elle est toujours avec Belle Bijou. Hein. Ou bien? Même si elle n'est plus avec elle, c'est sa personne là-bas. Au pays de Gâté, Gâté porte la couronne. Au pays de Gâté, Gâté porte les galons. Au pays de Gâté, Gâté porte l'écharpe. Gâte! Désolé de quoi? Où on est arrivé là, désolé? Ruby, faut pas m'énerver.
pas me provoquer. J'ai porté veste là. Faut pas faire, je vais enlever ma veste, hein. Faut pas faire, je vais enlever ma veste pour porter mon maillot. Faut pas m'énerver, hein. Qui? Désolé, maman Rudy. Désolé. C'est une belle personne, désolé. C'est une belle personne, hein. C'est une belle personne, hein. Pourquoi c'est pas elle qui a créé les Restos du Cœur? Maman Rudy, là. Pourquoi elle n'a pas créé les Restos du Cœur? Tu m'affes. Tu m'arrêtes tes trucs, là. Désolé de quoi? Peut-être elle toute même te critiquait là-bas. Que maman Rudy, que belle, que l'autre. C'est blanc, bonnet blanc. Elles sont la même chose là-bas. Désolé. La partie là m'a énervé quand j'ai vu là. La partie là m'a trop énervé. J'ai déjà dit quoi ça là? Désolé. Elles t'ont appelé. Oui, que désolé. Je n'ai pas trop aimé ton désolé là. Toi, tu es désolé que la section d'assaut. Ruby, tu es désolé que la section d'assaut. J'ai préféré partir m'isoler. Maman, comme tu dis, je suis désolé. La conseillère m'a vraiment négligé. On te néglige, c'est toi qui dis désolé. Pas m'énerver. Quand je transpire, elle me donne les bouffées de chaleur. Cette Ruby. Prochain. Qui m'a même envoyé? Tu veux me battre, tu fais quoi là-bas? Je prends mes distances parce que je voulais une séparation douce. Je ne voulais pas qu'on fasse du bruit sur les réseaux sociaux. Non, je ne voulais pas le spectacle. Donc, je prends les distances. Elle me contacte. Quand il y a un bad buzz sur les réseaux, elle m'appelle. Ah, tu as vu ce qui s'est passé? Tu as vu ce qui s'est passé? Je dis, ah, oui, j'ai vu. Ou bien, quand il y a un Congossa, sur Emi Dani, elle envoie. Quand il y a un truc, je dis, bon. Celle-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est là, là, toi et moi. Je vais tirer ta perruque, tu vas tirer ma barbe. Ruby. Je vais tirer ta perruque, tu vas tirer ma barbe. C'est là, là. Que toi, tu ne parlais pas trop à Belle. Mais quand il y a un Congossa, Belle t'appelle pour parler de Emi Dani. Belle t'appelle. Donc, quand Belle t'appelait pour parler de Congossa, là, toi, tu écoutais et puis elle se les parlait. Jean, toi, tu es l'auditrice. Elle est la radio. Genre, c'est comme si tu as mis sur radio, quoi. Tu écoutes seulement. Français, toi aussi, tu as parlé. Je suis désolé. Moi, je veux m'éloigner de quelqu'un. De mon camarade ou de ma camarade. Mon camarade m'appelle pour faire béret. Je ne décroche pas. Ou bien quand je décroche, dès que j'entends que ça a fait des béret, je lui dis, attends, je te rappelle, je suis en train de faire quelque chose. Tu esquives et puis tu quittes dedans. Béret, là. Demi Dani ou bien je ne sais pas qui, là. Tu voulais faire, maman. Tu es ma soeur. Je vais te dire la vérité. Béré ça là, tu voulais faire. Quand Belle t'appelait, malgré que tu ne voulais plus lui parler, quand elle t'appelait pour faire béré là, tu voulais. Tu aimais le goût. Tu aimais le jus du béré. Il y a des gens là, tu ne veux plus parler avec eux. Il y a des amis, tu ne veux plus que vous soyez comme avant. Mais leur béré est doux. Leur béré est sucré jusqu'à... Tu as pensé qu'ils ont mis Vitatop dans le béré. Tellement le béré... Le béret a le goût jusqu'à... Donc, il faut dire que tu aimais ces bérets. Il y a des gens, tu ne veux plus être leur CP, mais tu aimes les bérets, c'est comme ça. Elle a le don de ça. Elle sait, son béret est chic. Elle sait pas cocher. Elle sait pas cocher, elle sait qu'on a emmené le sujet. C'est pour ça qu'elle a refait ses dents. Pour faire les bérets doux. Elle sait pas cocher. Donc, faut accepter que son béret était chic. Pourquoi là, tu veux mettre ça sur elle seule? Là, seulement, je ne suis pas d'accord. Là, tu as fuck up. Tu ne peux pas mettre ça sur elle seule. Toi, tu ne veux pas parler à quelqu'un qu'elle m'appelle pour faire le béret. Et que c'est une fille, là, elle aime beaucoup le béret. Toi, tu n'aimes pas. Elle me parlait, elle m'appelait beaucoup plus. Toi, tu n'aimes pas. Toi, tu n'aimes pas et puis tu décroches quand elle t'appelle pour faire. Toi, tu n'aimes pas et puis tu écoutes béret là juste quand ça finit dans sa bouche. Non, faut laisser. Si ça fait des béret là, tu aimais aussi. Tu aimais sa causerie, oh. Tu aimais son charge. Vous deux, vous avez fait. Vous deux, vous avez critiqué les gens. Ça là, faut reconnaître. Ça là, seulement, faut reconnaître. Même si elle n'est pas bonne. Ça là, seulement, faut pas mettre sur elle seule. Ça là, je veux pas. Ça, je dis non. Hein. Alors là, je dis non. Même si je te soutiens, mais la partie là. Ensuite, tu as parlé de sa maison. La maison que Belle Bijou dit qu'elle construit aux États-Unis. Quand je prends des distances, parce que là, on va entrer maintenant dans le vif du sujet, pourquoi elle et moi, on éclate.
Quand je sors des États-Unis, elle a un bad buzz. La maison qu'elle a construite voulait que ça fasse le boom sur les réseaux parce qu'elle me disait toujours, quand moi je vais poster ma maison, ça va faire boom. Les gens vont parler, ça va faire boom. J'ai dit, oui, ta maison est belle. J'ai... Ça là, je suis témoin. Ça là, Ruby n'a pas menti. Sortez, oh, prenez la mouchoir. Prenez les mouchoirs, la danse du béret, la danse du béret, la danse du béret. Où est mon mouchoir? Non, ça c'est facture. Bon, c'est moi qui paye ma facture. La danse du béret, ça là, je suis témoin. Quand elles sont venues à Abidjan là, et puis elles ont pris Bel Bijou à louer la villa où il y avait Ruby, il y avait Bel Bijou, et puis lui qui fait les vidéos sur YouTube là, oh, Ibrahim Larson. Lui là même, j'arrive sur lui. Bel Bijou. Premier jour, elle nous a vus. Je suis allé là-bas avec Marcel. Premier jour, elle nous a vus. Elle a commencé à parler de sa maison. Que sa maison, elle va construire aux États-Unis là. Que sa maison, elle est en train de construire là. Que sa maison, waouh! Elle a sorti les photos de la maison pour nous montrer. J'ai dit, c'est premier jour. Elle nous a vus comme ça de ses yeux. En même temps, on a su qu'elle faisait maison aux États-Unis. Moi-même, je l'ai critiqué après. J'ai dit à Marcel, j'ai dit, mais la femme, elle parle beaucoup. Hein. Elle nous connaît où? Pour nous montrer sa maison. Ou bien parce qu'elle nous a donné Placali, Evin. Je suis désolé. Je me suis dit, mais que aïe. Premier jour en même temps. Nous, on n'est pas architectes. Quand tu nous montres ta maison là-haut, c'est pourquoi? C'est parce que tu veux faire le proving. C'est parce que tu veux faire le proving, la provagne. Tu veux faire le proving d'approuvant. Sinon, toi et nous, quand c'est le premier jour, on s'est vu. Moi, quand il a vu la maison, en tout cas, je sais pas si c'est la maison qui est la maison que la maison, hein. Mais c'est joli. C'est qu'elle nous a montré là, c'est joli. C'est joli, mais c'est pas la maison blanche. Hein? Elle part là-bas avec. Elle vendrait, c'est la maison blanche. Je n'aime pas les gens qui aiment se vanter premier jour en même temps. Premier jour en même temps, Toi, tu sais construire maison. Pourquoi tu n'as pas construit les États-Unis? Pourquoi tu as laissé Christophe Colomb découvrir l'Amérique? Pourquoi c'est pas toi qui allais découvrir l'Amérique? Donc, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Et puis toi, tu vendrais, c'est toi qui es en train de construire l'Amérique. Jean-Louis l'a découvert. Et puis, tu as appelé, allô, Bel Bijou, viens. Et puis, tu as construit le pays. Faut arrêter. Faut arrêter un peu. Un temps soit peu. Faut arrêter. Ah oui, sa maison là. Elle voulait que tout le monde parle de ça. Dès que tu la presses. Ma maison, je suis en train de... Dès que tu la touches, ma maison, je... tu as dit que nous, on vit dans bungalow. Maman, Bijou. Bijou, là, même, c'est quitté. Pourquoi tu as mis ça sur toi? Maman, Bijou. On poursuit. Ça, là, je peux témoigner. La maison, là, je suis témoin. Oh, je suis témoin. Insulter ma copine sur les réseaux sociaux, c'est faux. C'est faux. Elle n'a jamais. Je suis en direct, bébé. Ah, ok. Ruby, tu n'es pas professionnelle. Visage a dégonflé. Ouais, 200 ans. Ouais, t'es mieux comme ça. Assia. Tu me ressembles. Tu me ressembles au moins. Mais tu n'es pas professionnelle, hein, Ruby. Tu fais une vidéo comme ça, un béret comme ça. On est là, on est captivé, on t'écoute. Ce jour-là même, on va penser que tu es au bras. Tellement, tout le monde est sur toi comme ça, on regarde, on dit que Palma, faut parler maman, dans ça là on t'appelle. Ça là c'est comme si c'est ton one man show. Tu as déjà vu Florence Foresti sur scène, on l'appelle et puis elle décroche. Si son téléphone sonne sur la scène, c'est que c'est dans le sketch. Tu es en train de faire quelque chose comme ça de lourd. On t'appelle, tu décroches. Que j'ai... Dédé, je suis en direct. Oh, ton visage a dégonflé. Madame l'infinière, tu pouvais pas attendre après. Ruby, tu as fait beaucoup de choses dans la vidéo là que je n'ai pas aimé, hein, ma soeur. Ça là, c'est... La partie là, j'ai noté. Je dis, mais attends. Elle n'est pas professionnelle, hein, celle-là. Tu n'es pas pro dans le béret, hein. Le béret, là, c'est quelque chose que... Quand tu commences, c'est la concentration. Concentre. Jusqu'au bout. On t'appelle, tu décroches quoi, mamie? Tu décroches quoi? Que le visage dégonfle, que ça dégonfle pas, oh.
Fini d'abord la vidéo, le visage dégonfle après. C'est quoi même? La partie là, je n'ai pas trop aimé chez toi. Ça faut que je te dise. En tout cas, ta perruque, elle est belle. Ruby vend des perruques. Hein. Elle vend de très belles perruques. Voici son compte TikTok, son compte Instagram, sa chaîne YouTube. Abonnez-vous. Elle vend de très, très belles perruques. Elle vend aussi des vêtements. Mais je pense qu'en ce moment, elle est sur les perruques. Donc, n'hésitez pas. La perruque là, même là, elle vend. C'est qui est sur sa tête, sa jolie perruque là. Elle vend. Et parce qu'elle a dit que c'était 140 euros, bien 120. Je ne sais pas, j'ai oublié le prix. Mais elle vend des perruques. Elle vous expédie ça chez vous. Voilà. Mais tu n'es pas pro. C'est quoi ça? Qui l'avait appelé même? J'ai oublié, mais attends. Ce que j'ai capturé, qui l'avait appelé? C'est pas sa cousine bien. Qui l'avait appelé? Tu en vas péter ta bouche. J'ai grand. Libéré. Vous entendez? Voilà. En libéré des sorcières. Donc, mais mon entourage me disait, Yvan, elle me disait, sors. J'ai dit que je ne sors pas. Non, mais si tu m'as dit même que je te disais sors là, il faut dire que je te disais sans ce même depuis 2017. Voilà. Oh non, tu as bien fait de prendre l'appel. Ah oui, oui. Elle aussi, elle a parlé de libérer. Ah non, finalement, tu es pro. Ça, c'est un appel essentiel. C'est un appel à témoignage. C'est ce qu'on appelle dans le jargon bérétique. Un appel à témoignage. J'avais oublié que ta soeur avait parlé aussi dans la vidéo. Je parle, pardon. Hey, la soeur de qui est? Ruby, ma soeur. Hey. Pardon. Tu as bien fait de décrocher, ma. Pardon, excuse-moi. Je n'avais pas bien compris que ta soeur allait parler aussi. Bien comme ça. Ta soeur a bien parlé jusqu'à. Ivana, Ivan. Comment c'est Ivan? Non. Ivano, Ivan. Ivan, Ivan de qui? Oyo, oh, Ivan, oh mon cœur, oh Ivan, oh c'est pour toi. Tac, touk, 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 mon cœur t'appartient. Tac, 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 mon cœur est pour toi. Touk, 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 voici mon cœur, prends-le. Ivan, tout ça c'est pour toi. Ivan, c'est la soeur de Ruby. Elle s'appelle Ivan. Pardonnez, oh. Pardon, je vous attrape. Pardonnez. C'est la soeur de Ruby. Comédienne, sa petite soeur s'appelle Ivan. Femme s'appelle Ivan. Parce que vous. Ah non, là, tu étais pro. J'avais oublié que ta soeur avait un peu parlé dedans. Excuse-moi, tu as bien fait de décrocher. On poursuit. J'ai trop vite jugé sur la partie là. Excuse-moi. J'ai beaucoup de choses à dire. Hein. J'ai beaucoup à dire. J'en étais où? Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Donc. Quand je commence à faire la... excusez-moi, j'ai perdu vraiment le fil. J'ai perdu le fil. J'ai demandé. Tu... Voici le fil. Tiens. Ruby, je demandais. Voici le fil. Tiens. On est concentré comme ça. Tu as perdu le fil comment? Tiens le fil. Tiens le fil. Si tu veux, faut prendre... pour mettre dans tes dents. Si tu veux, faut prendre pour attacher ta jolie perruque que tu vends là. Si tu veux, prends pour... C'est quoi même? Oh, oh. Elle m'énerve trop ça là. C'est quoi ça? On est concentré sur la vidéo, tu as perdu le fil. Tu as perdu quel... c'est quel fil qui est perdu? Fil dentaire ou bien fil à tresser? Tu as perdu fil dentaire ou bien fil à... Tu peux pas retenir les choses quand tu fais les bérets. Un béret important comme ça. Ruby, je dois te coacher. Dans la fête des palabres sur internet là, je dois te coacher. Je dois te coacher. Elle m'a gavé en celle-là. Elle m'a gavé. J'ai dit oui, elle a bien construit. Dumkov comme je suis. Moi, je ne sais pas que ma copine a publié une fausse photo de sa maison. Hey! Maman! Maman Sarah! J'ai mal! J'ai mal! J'ai mal! Venez où? Vous êtes où? Venez, ne me laissez pas seul. Yemao! Ah, putain! Ah, putain! Elle a posté le... Tu dis que elle a fait quoi? Les photos, elle a posté là, ce ne sont pas les vraies photos. Donc, la photo nous a montré quand on était dans la villa là. C'était pas la photo de sa maison. Oh, j'ai bien fait d'une follow la femme là. Vous savez pourquoi j'ai donné une follow? Celle-là. Hé hé! Wow! Ya! 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 Ya!
Je le follow, je vais vous dire. Je le follow, hein, parce qu'il est chori. C'était son anniversaire. Apparemment, même elle était à Abidjan, je ne sais pas. Je ne lui ai pas souhaité son anniversaire. J'ai vu que c'était son anniversaire, mais je ne lui ai pas souhaité. C'est pas ma camarade. Ben Bijou n'a jamais été ma pote. Elle n'a jamais été ma grande soeur. Je n'ai jamais eu de lien. C'est qu'on n'a jamais eu de... On n'a jamais fait début même des CPA. C'était toujours affaire de groupe. Elle et moi, on ne s'est jamais vu comme ça, nous deux. C'était toujours rassemblement de groupe. C'est Ruby qui est ma copine à la base. C'est Ruby qui est ma pote. Mon ami là, c'est Ruby. Donc, quand je suis allé les voir dans leur villa là, c'est Ruby, j'étais allé voir où. C'est Ruby qui est pour moi. Ruby, c'est pour moi. Donc, moi, je ne sais pas me mélanger. Hein. Je ne sais pas faire les amitiés. Amitié, patapata, 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 patapata. Moi, je ne connais pas. Les gens me connaissent. Où je suis là, je n'ai pas beaucoup d'amis. Moi-même, vous me connaissez, non? Je ne sais pas me mettre ici, me mettre là-bas, me mettre ici, me mettre là-bas. Comme si je mangeais pâte de chien. Je ne sais pas faire ça. Je n'ai jamais mangé pâte de chien. C'est quand tu manges pâte de chien que tu t'éparpilles. Donc, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas prendre les amis de mes amis. Si j'ai pris ami de mon ami, c'est que vraiment, c'est passé, le courant est passé jusqu'à... Sinon, c'est pas mon dada. C'est pas mon dada, hein. C'est pas mon dada. Alors là, pas du tout, hein. Donc, quelqu'un est venu me dire que Belle Bijou dit que elle comprend pas. Apparemment, tu lui as pas souhaité son anniversaire. Elle sait pas. Franchement, elle dit qu'elle te trouve bizarre, hein, parce qu'elle sait qu'elle t'a jamais rien fait, mais elle comprend pas. C'est comme cela, je me suis levée. J'ai fait que tchiki, je lui ai follow comme ça, j'ai touché comme ça, que tout. Je sais même pas si finalement je suis allée lui souhaiter son anniversaire ou je sais plus, mais je sais que je lui ai follow. Je sais qu'il y a une année, je lui ai souhaité son anniversaire. Ça, c'est vrai. Maintenant, l'année d'après, je pense que je lui ai pas souhaité. En tout cas, c'était ça qui a fait. Je suis allé là, une follow comme ça, que touc. Que tac. Ok, je suis allé dans son Instagram, sans bruit, je n'ai pas tapé le dicalo. Sans taper le dicalo, sans jouer le balafon, sans danser Jimmy. Je suis rentré comme ça, que touc. Je l'ai, que touc. Que touc, 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 touc. Je l'ai une follow. Je suis sauf que sorti de là. J'ai vu aussi qu'elle m'avait une follow. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tant mieux. C'est ce que je voulais. C'est comme ça, je l'ai une follow. En fait, je l'ai toujours trouvé fourbe. Ça là même là. Ruby est témoin. J'ai déjà dit ça à Ruby une fois. Mais Ruby dit, ah, laisse ma copine. Ruby te défendait, hein, madame. Ruby t'a toujours défendu, toujours. Elle n'a jamais gâté ton nom, jamais. C'est même pas pour prendre sa défense. Hein. Moi, là, je dis la vérité, je suis juste. Ruby ne me nourrit pas, je ne la nourris pas. Ruby t'a toujours défendu, toujours. Que ah, laisse ma copine, ah, laisse-la, elle est gentille. Hé, hey, j'étais là, hé. Hey. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai dit, oh. Oh, hé, oh. Hé, hey, hey, hey. Baba Godo, Baba Godo. Baba Godo, yeah, oh, oshé, baba, oshé, baba, luba, oshé. Oshé, baba, luba, oshé. Jusqu'à ma voix de tête est sortie aujourd'hui, c'est que c'est grave. C'est ma voix de tête est sortie aujourd'hui, c'est que c'est grave. Tu viens d'entendre ma voix de tête, non? Madame Pitérest, tu as entendu? Hey, moi j'ai dit à Rubio, j'ai dit tu n'es pas bonne. Elle m'était dans conjugaison. Quand je mets ici, elle met là-bas. Quand je mets là-bas, elle met ici. J'ai dit OK. OK. C'est comme ça. Moi, je l'ai. Une follow. Attends, on regardait quoi même? Mon téléphone sonne. Ah, bébé, bébé, qu'est-ce que tu es parti faire sur les réseaux? Qu'est-ce que tu es parti faire? J'ai dit que qu'est-ce que j'ai encore fait? La fille, c'est toujours en train de m'embrouiller. J'ai dit Asia, Ruby, Asia. La photo de ma maison, j'ai dit que quelle photo? J'ai dit que je dormais. Vous savez qu'il y a le décalage horaire. Pourquoi tu es parti poster la photo de ma maison? J'ai dit, mais c'est ta maison. Enfin, je partais pour te défendre. Non, 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 c'est une fausse maison que j'ai postée parce que je ne voulais pas qu'on vole ma maquette. J'ai dit, est-ce que je savais? Tu ne m'as pas consulté. Elle ne t'a pas consulté. Ruby, toi aussi, c'est bien fait pour toi.
C'est bien fait pour toi. Toi, tu es... Tu es Tarzan, son femme. Si toi, on te demande là, tu es Goliath, tu es King Kong. Ils sont en train de l'insulter pour dire que sa maison, c'est pas la vraie maison. Toi, tu prends la photo, tu postes pour dire que oh, c'est sa maison. Tu es Goliath, hein? Tu es King Kong. Ah. Bravo. C'est ça, t'as appelé pour te dire que mais tu postes pourquoi? C'est ça. Tu vois comment tu es, papa, ton nom? On t'a pas envoyé. Toi seul, tu te lèves. Tu es community manager, maman. Tu es un community manager. Elle t'a pas envoyé. Ça te loupe. Si on t'a demandé, tu voulais tellement défendre ta copine. Ah, c'est pour ça qu'on dit que tu étais sa Tinda. C'est pour ça qu'on dit que tu étais son repéro. Parce que quelqu'un te demande quelque chose. Toi, tu dis, mais non, mais laissez-la. Hein? Elle a construit la maison. Elle a construit la maison. Hein? C'est toi qui as soulevé le bois là pour construire. Ma, c'est toi. Hey! Hey! Les amitiés du dehors. Les amitiés du dehors. Mieux les amitiés du dedans. Mieux les amitiés du dedans que les amitiés du dehors. Mieux les amitiés du dedans que les amitiés du dehors. Hey, hey. On poursuit. On poursuit. Hey. J'ai porté veste. C'est pas pour rien. Ça, c'est la partie où Ibrahim Larson a appelé Ruby. Ibrahim Larson, c'est un youtubeur. Il fait les vidéos. Bon, il n'y a pas ses vidéos, mais il fait les vidéos en tout cas. Hey. Aux dernières nouvelles, moi, quand je les ai vus à Abidjan, lui et Ben Bijou même étaient comme ça. Parce que lui et Ruby, au début même, ils ne se parlaient pas. Lui et Ruby même, ils n'ont jamais été amis. C'est Ben Bijou même qui a essayé de les réconcilier à l'époque. Donc lui et puis Ben Bijou, ils étaient comme ça. Il n'appelait pas Ben Bijou Belle. Il appelait maman un truc comme ça. Lui, il disait maman ou bien la mère. En tout cas, il appelait la mère. Ibrahim Larson a appelé Ruby. On écoute. Ça là aussi. Je suis tombé. Oh, ça c'est qui ça? Ça c'est mon coiffeur. Ou le béret lourd là. Tu as fini la vidéo avant de me coiffer. Ça je te dis. Je viens la chouari. Je ne laisse pas. Hey, hey. Toi Ibrahim Larson. Toi. Mets-toi sur la terrasse là. Je suis en train de filmer une vidéo là. Dès qu'elle est finie. Assieds-toi bien là-bas. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je n'ai jamais parlé de Belle Bijou en mal chez Ibrahim Larson. Jamais. Je dis bien jamais. Mais tout... Et moi, je n'ai jamais parlé de... Toi et moi, on ne s'est jamais appelé pour mal parler de Belle Bijou. Mais... Jamais de la vie. Merci. Mais toute notre amitié, elle parlait de moi chez Ibrahim. En mal. De la même manière qu'elle parlait aussi de moi en mal chez toi. Donc, tu sais, Ruby, je ne vais du tout pas donner de mon énergie. J'ai bien dit à son assistante que si j'entends mon nom quelque part, que c'est elle qui a prononcé, et bien ça me parle à Paul. C'est là qu'elle va savoir qui je suis en réalité. Et c'est là qu'elle va savoir que là où elle pense dormir, je dors sur le même lit avec elle. Donc, pour le moment... Je suis très, très calme. Hey. Je suis très, très calme avec elle. Elle est partie saboter mon site que je l'ai payé 300 € de créer. Pour le moment, je digère encore ce site qu'elle est allée saboter. Si elle me prononce, je dis bien juste même en parabole. Que je passe, il y a un statut, c'est en parabole. Je ne vais pas venir raconter la genèse comme toi. Je vais aller frontalement. Hey. Hey. Pour lui là ça me choque hein. La chérie. Pour lui là ça me choque. J'ai dit lui là, quand ils étaient à Abidjan ici là, tu as dit que Belle Bijou, tu vas dire que c'est Belle Bijou qui a écrit le Nouveau Testament. Tellement il apprenait pour la mettre sur les nuages que oh la mer. Mais ça m'étonne qu'aujourd'hui, toi Ibrahim Larson, ça m'étonne que toi tu parles de belles bijoux comme ça. C'est vrai, elle n'est pas bonne. Mais tout le monde sauf toi. Elle n'est pas bonne, elle a fait du tort à ma copine Ruby. Mais tout le monde sauf toi. Je suis désolé. On était assis. Toi Ibrahim Larson, tu nous as demandé de dire merci à Belle pour toi. Quand on allait manger au restaurant, Sol Plus, tu nous as demandé. On était assis. Tu dis,
dites merci à Belle Bijoux parce qu'elle a payé mes cours. Tu as dit que Belle Bijoux a payé tes études, non? Tu as dit ou tu n'as pas dit? Tu as dit? Si je mens, tape ici. Si je mens, tape. Même si on dit que la femme là n'est pas bonne, même si on dit qu'elle est mauvaise, moi-même je sais qu'elle n'est pas bonne. Parce qu'elle a fait du mal à ma soeur Ruby. Mais tout le monde, sauf toi, quelqu'un qui a payé tes études là, tu ne peux pas parler comme ça de la personne. Tu dois avoir ce qu'on appelle le droit de réserve. Tu dois avoir ce qu'on appelle le droit de réserve. C'est pour ça que toi-même, je n'ai jamais mis ta tête au. Tu as vu, non? Tu as vu que je ne t'ai jamais supporté, non? C'est ça là. Je savais que tu n'étais pas bon. Et toi, tu n'es pas bon. Quelqu'un qui se comporte comme ça avec une personne qui a payé son école, vraiment, c'est le genre de personne, quand il vient ici, il faut passer là. Quand il vient ici, tourne, fais le grand tour. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Du moment où même, moi-même, toi, Ruby, même, tu fais exprès ou bien? Ruby, tu fais exprès. Du moment où Belle Bijoux est allée te critiquer avec Ibrahim, là, c'est parce que Ibrahim même te loupait pas. C'est parce que Ibrahim là même, il te loupait pas aussi. Les deux te critiquaient, les deux te torpillaient. Donc, tu as quel problème? Tu as quel problème? Que c'est comme ça, moi aussi, elle parlait mal de moi chez toi. Move! Toi et puis Belle Bijoux, toi Ibrahim et puis Belle Bijoux, vous avez pris le nom de Ruby, vous avez mis au sol, et puis vous avez pris l'aspirateur pour passer dessus, pour passer dessus, pour passer dessus. Aujourd'hui, toi, tu as appelé Ruby pour venir dire que cette femme-là, toi qui nous disais, on était assis, que dites merci à Belle. Franchement, c'est que Belle fait pour moi là. Il y a des gens qui n'ont jamais fait ça pour moi dans ma vie. Aujourd'hui, toi, tu dis ça. Ça là seulement, toi, tu dois fermer ta bouche. Parce que j'étais là quand tu nous disais de dire merci à Belle. Moi-même, quand tu parlais, j'ai dit, il dit quoi même? On a qu'à lui dire merci, ça m'entend tout bien. C'est tes études, elle a payé. Et puis, quand tu as voulu me répondre là, toi, Ibrahim, attention, il faut savoir ce que tu as me dire. Il faut savoir comment tu as me parler. Sinon, tu ne vas pas croire. Il faut savoir comment tu as me parler. Est-ce qu'il y a à te répondre, même si tu me réponds? Non, franchement, chose, je ne vais pas te répondre. Hein. Je pense que je suis un peu là quand même. Voilà. Voilà. Je suis un peu là. Hein. Bon, bref. Donc, on poursuit. En tout cas, pour toi, là, ça m'a dépassé. Tout le monde sauf toi. Quoi? Pourquoi toujours mon nom? Pourquoi toujours mon nom? J'ai dit que qui? J'ai fait la vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit de mal dans la vidéo? J'ai même défendu la dame. J'ai dit, je ne vous permets pas de parler de Belle Bijoux comme ça. Les vidéos sont sur les réseaux. Alors encore, allez regarder. J'ai dit, mais je ne vous permets pas. J'ai même pris la défense. Pourquoi? Elle dit, non, pourquoi toujours mon nom? Machin, c'est monté, c'est descendu. J'étais déjà dit mon nom sur les réseaux sociaux. Quelqu'un. J'ai dit que, oh Seigneur, ça recommence. C'est là où je lui dis, écoute, elle finit de parler, j'étais à Primark, mon sang montait comme ça, parce qu'elle m'avait d'abord insulté une fois, elle m'a manqué de respect, je n'ai pas répondu. Primark même c'est une F déjà. Donc le macabre était calé ici, ce n'est jamais. Primark même là c'est une F déjà, tu es dedans même, tu es déjà énervé. Non, je te comprends ma soeur, parle-moi, dis-moi tout. Elle m'a débloqué. Elle m'a envoyé un voice de 9 minutes, de 4 minutes, de 3 minutes, de 6 minutes et un message. Je vais vous lire le message. Sale manipulatrice de merde. C'est sur les réseaux sociaux que tu as la force. Mais je te le dis, c'est la dernière fois que tu me prononces sur les réseaux sociaux. Va sortir les choses qui sont dans ton téléphone ou ferme ta gueule. Tes insécurités ne sont pas mon problème. Mets-toi au travail et ce que les gens disent ne te fera plus mal. Bientôt 20 ans sur les réseaux sociaux, tout le monde t'a dépassé. C'est sur moi. J'ai demandé, quand toi, Belle Bijoux, tu dis à Ruby que bientôt 20 ans sur les réseaux, tout le monde t'a dépassé. Les gens l'ont dépassé en quoi? Parce que Ruby là, J'ai l'impression que souvent vous êtes amnésique hein, sur la carrière de la fille. J'ai l'impression que Ruby, là, ce qu'elle a fait dans le game pendant 20 ans, comme tu dis là, j'ai l'impression que vous êtes amnésique. J'ai l'impression.
Ruby, là, elle a fait première saison de colocation en fille. Moi, j'étais fan de Ruby. J'étais jeune comme ça, le Pougon ici. Elle était en France, je regardais toutes ses vidéos. Elle a fait la saison 2 de colocation en fille. La saison 3, elle a envoyé toute une équipe au Cameroun, de la France au Cameroun pour aller tourner. Fais pas ça qui veut, mais qui peut. Ça, c'est le qui peut, c'est pas le qui veut. Souvent, vous parlez, vous oubliez. Quand tu dis on l'a dépassé dans quoi? Elle est toujours youtubeuse. Elle a toujours une communauté. Tout le monde sait, quand tu dis Ruby comédienne, tout le monde sait c'est qui. Son nom est gravé dans le marbre. Tout le monde sait. Hé, hey. Je suis un bon ami. Hein. Regarde comment je défends ma soeur. Son nom est gravé dans le marbre. Tout le monde, donc on l'a dépassé dans quoi? Moi aujourd'hui, je suis animateur télé, certes. Mais je veux dire que j'ai beaucoup de respect pour le parcours de Ruby. Un parcours même qui se poursuit. Et puis on connaît aujourd'hui, on ne connaît pas demain. Tu sais ce qu'elle peut faire demain. Toi-même, belle bijou même là. Tu as quelle carrière dans le game. D'accord, tu dis tu vends tes produits. Tant mieux. Dieu merci pour toi si ça marche. Mais hormis ça là, tu nous as menti ici que tu avais 1 million d'abonnés. Toi, tu as 1 million d'abonnés. Toi, belle bijou, toi tu as 1 million d'abonnés sur YouTube. Toi, tu as 1 million d'abonnés. Et même si tu as 1 million d'abonnés, quand tu fais tes vidéos YouTube, tu fais même pas 4000 vues. Donc, tu as 1 million d'abonnés là. Quand tu fais tes vidéos, ils vont au champ. Tu as 1 million d'abonnés là-haut. Quand tu postes tes vidéos sur YouTube, ils vont au champ pour récolter tomates. Ou bien c'est quoi? Pourquoi ils ne regardent pas tes vidéos là? Faut pas nous emmerder. Tout le monde l'a dépassé. Et puis quoi? On l'a dépassé dans quoi? Ou bien toi, tu la dépasses dans quoi? Vous aimez trop ça. 20 ans sur les réseaux sociaux, tout le monde. Ah, meuf! Ah, meuf! Sa série, elle a fait là. Tout le monde connaît colocation de filles. Ça a le goût jusqu'à. Non, on l'a dépassé dans quoi? Vous pensez que c'est tout le monde qui peut se lever pour produire une série? Vous savez, le financement, même si les abonnés ont cotisé pour qu'elle fasse la série. Mais l'énergie mentale qu'il faut, ne serait-ce que l'énergie mentale pour produire une série, pour envoyer toute une équipe au Cameroun, pour. Mais attendez. Tu penses que c'est tout le monde qui peut faire ça? Ça veut dire que tout ça là même, tu voulais lui dire avant. Tu vois comment tu n'es pas bonne. Ça veut dire que tout ça là, tu voulais dire à Ruby. Pendant que vous étiez amis, tout ça là, tu pensais ça déjà d'elle. Tu vois comment tu n'es pas bonne. Tu vois comment tu ne fais pas les bonnes choses. Tu vois comment tu es mauvaise. La mauvaise. La mauvaise. L'américaine. L'américaine. Tu es mauvaise. Tu es méchante. Méchante. Tu n'as pas un bon cœur. Même pas un peu. Il y a feuille. Encore. On en vient maintenant au fisc. J'ai dit, il m'appelle Masta. J'ai dit, bonjour, mon père, bonjour. Une ex-amie colporte des fausses rumeurs sur moi. Depuis notre séparation, je veux qu'elle me laisse en paix. Qu'elle arrête de mentir sur moi. Dans le but de salir mon image, car elle sait que en racontant des mensonges à mon nom, les gens vont la croire alors que c'est complètement faux. Il me dit que ta copine là, c'est une sorcière. Il me dit que ça a cuit. Il me dit ce qu'elle m'a fait. Et là, il a commencé à me raconter tout. Ce qu'elle disait sur moi. C'est pour ça que je l'ai pris en témoignage. Il a dit ça. Elle a dit. Et elle me dit que tu sais quand tu as fait ton événement. Elle m'avait envoyé les vidéos. Elle a ri. Elle dit que tu veux l'imiter. Je suis toujours dans le machin. Tout ce que tu lui racontais, dès que tu racontais un truc. Elle m'a envoyé. En fait, Ibrahim, lui, il s'en bat les couilles. Il m'a dit, là, je suis énervée. Je m'en fous. D'abord, je m'en vais mettre sur les réseaux sociaux que elle et moi, on n'est plus en partenariat. J'ai dit, Ibrahim, calme-toi. Calme-toi. Ça fait 3 mois que je suis calme. C'est là où Ibrahim me dit que c'est parce que toi, tu ne sais pas ce qu'elle dit sur toi. Hein? Elle voulait t'envoyer le fisc. Ruby, normalement, lui, là, tu dois le bloquer. Lui, là, tu dois le bloquer. Quand il s'entendait avec Belle, où c'était doux, entre lui et puis Belle, il n'est pas venu te dire qu'elle va t'envoyer le fisc. C'est où ça s'est yami? Où ça s'est renversé sur eux, là?
C'est là maintenant, il sait qu'elle voulait t'envoyer le fisc. À l'époque où elle lui a dit qu'elle veut t'envoyer le fisc là, il n'avait pas ton numéro. Il avait ton numéro. Et si elle avait fait ça maintenant, à cette époque, tu allais faire comment? Lui là même, il n'est pas bon aussi. Il ne sait même pas que tu causes à lui là, pourquoi? Pourquoi quand lui est plus bel bijou, c'était chic chic, ou c'était encore sa maman, où il apprenait pour faire son façade, pour la mettre au dos, il n'est pas venu te prévenir. Sinon, si c'était quelqu'un de gentil, il allait t'appeler pour dire, oh Ruby, la femme là, pardon, faut pas lui dire, mais prends tes précautions. Prends tes précautions parce qu'elle veut t'envoyer le fisc. Ou bien même juste, prends tes précautions sur tout. Un petit signe, il allait t'envoyer un petit signe, rien. C'est où lui et puis sa maman, Ignam Ponan, s'est coupé entre les deux. Ignam s'est coupé entre les deux là. C'est là qu'il vient t'appeler pour dire que, mais disait que elle-même là, elle veut t'envoyer le fisco. Yéré. Si c'était pas gâtante, lui est plus belle. Bijou, quelle belle même. Si c'était pas gâtante, lui est plus bijou, quelle belle. Il n'avait pas rien te dit. Lui là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout, hein. Ça, je te dis. Si tu vas le bloquer, il faut le bloquer. Il a fini de t'informer, c'est fini. C'est pas vous causer les gens comme ça, même pourquoi. Oh. Lui là, même là. YouTube, lui là, c'est les gens, les vues, les ont surpris. Là, c'est trop un wannabe. C'est trop un, ça, c'est le comportement des wannabes, ça. Les gens qui ont un mal-être profond en eux, là. Ça, c'est les gens comme ça, là. Faut le bloquer. Il n'est pas bon. On n'a qu'à vivre la vérité. Je n'ai rien contre lui, mais il n'est pas bon. Parlons peu, parlons vrai. Lui, il est bon. Ça, c'est rien qui est normal, ça. Ça, c'est rien qui est bien qui est là. C'est parce que ça l'arrangeait qu'il est venu te dire. Au moment où ça ne l'arrangeait pas de te dire, parce qu'il était bien avec elle, il n'est pas venu te dire. Donc, on parle de quoi? Toi aussi, tu vas m'énerver, toi, Ruby. Tu fais parler avec quelqu'un. Toi, tu t'en vas écrire, il y a un prêtre. Monsieur le prêtre, s'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer une prière parce que ma camarade veut me faire du mal. Insulte-la d'abord et après, tu pries. On insulte d'abord et après, on prie. Je ne sais pas comment vous faites vos palabres. Je ne sais pas comment vous montez au front. Tu grattes et puis après, tu pries. C'est comme ça. En tout cas, c'était mon avis sur cette histoire, les joueurs. J'ai donné mon avis. Voilà. Parce que franchement, quand j'ai vu la vidéo de Ruby, ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que Ruby, c'est une fille que j'apprécie foncièrement. Je l'aime beaucoup. Donc, et les deux autres, que ce soit Belle et l'autre, je les aime pas. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. Et puis, que ce soit Belle Bijou ou Brahim Lasson, si vous tentez de me répondre, YouTube sera en feu. Je suis là-haut. Bon, Belle, même, il peut répondre. Parce que Ibrahim, c'est pas mon niveau. C'est pas son ami. Mais voilà. Oh, je suis condescendant. Ouais, chers, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai dit ce que je pense. Voilà, vous savez que moi, je dis toujours ce que je pense. Voilà. On se dit à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ouais. Oh. Affaire de Ruby, là, me fait trop mal. Tu méritais pas ça, ma camarade. Tu méritais pas ça. Toujours. Mon mari au FBI, mon mari. Toi, Belle Bijou, même. Depuis quand quelqu'un travaille au FBI, on doit dire. Normalement, FBI, là, on dit pas. Toi, tu as pris FBI de ton mari, là, pour faire drapeau. Après, quand on va dire que peut-être qu'il travaille au McDo, tu as dit, on t'a insulté. Peut-être même, c'est pas FBI, c'est McDo. Tu as dit que, ah, c'est bon, au revoir.